Bonjour Pocoyo. Bonjour. Je peux déjà vous dire que Pocoyo s'apprête à passer une très bonne journée puisqu'il a prévu de jouer avec Pato, son ami canard. Tiens, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est une ombre. Oui, moi aussi j'ai l'impression que cette ombre te suit partout où tu vas. Je me demande ce qui peut bien projeter cette ombre. Vous le savez, vous, les enfants? Savez-vous ce qui projette cette ombre? C'est un nuage. Exact, c'est un petit nuage. Je serais curieux de savoir d'où il vient. Voilà Pato, peut-être qu'il va pouvoir nous aider. Eh oui, je suis d'accord, c'est beaucoup moins drôle quand ça t'arrive à toi. Oh, Pato n'a pas l'air d'aimer les farces du petit nuage. On dirait que notre petit nuage est en train de pleurer. Nuage pleure? Oh, comme c'est étrange. C'est la première fois que je vois un nuage pleurer. Ça me fait tout drôle. Regardez-le. Tu lui as fait de la peine, Pocoyo. Maintenant, il est triste. Réfléchissons. Que peut-on faire pour le consoler, le sais-tu? Ah, tu as une idée. Tant mieux. Qu'est-ce que c'est? Nuage. Nuage. Oh, j'ai compris. Tu veux discuter avec le petit nuage. C'est une excellente idée, Pocoyo. Seulement, je ne suis pas sûr que le nuage puisse t'entendre. Crier. Mais bien sûr, tu as tout à fait raison. Si nous crions tous ensemble en même temps, le petit nuage nous entendra forcément. Nuage. Nuage. Oui, on a réussi. Oh, j'ai l'impression que notre nouvel ami t'aime beaucoup. Finalement, je me demande si... Oh, mais bien sûr, c'est ça. En fait, tout ce que voulait le petit nuage depuis le début, c'est que vous deveniez amis. Amis. Pocoyo et le petit nuage. Amis. Amis. Apparemment, le petit nuage aimerait emmener ses deux nouveaux amis en balade. Tu peux monter dessus, Pato, vas-y.
c'est amusant. Tiens, voilà Lula. Et j'aperçois Ellie aussi. Regarde Ellie, Pocoyo et Pato se sont fait un nouvel ami. C'est ce que je dis toujours. Il n'y a rien de tel pour embellir une journée que de se faire de nouveaux amis. Un grand bravo pour Pocoyo. À très bientôt.